Est-ce que vous m'entendez si je parle sans micro? Ça va? Parce que j'ai utilisé le micro sans fil la dernière fois et en fait, quand on le met sur YouTube, on n'entend absolument rien. Donc je ne vais pas l'utiliser cette fois. Donc je vais essayer de le faire entendre avec une voix normale et avec ce micro analogique là, qui a une qualité de son qui n'est pas ferrailleuse, qui n'est pas métallique, comme l'autre. L'autre, il a des résonances et il est métallique, ce qui fait qu'on ne comprend pas. Et ça passe pas du tout. Le seul commentaire que j'ai sur YouTube, c'est inaudible, c'est tout. Alors moi, je vais écrire. De toute façon, l'accord se disait illisible, donc ça, c'est cohérent. Inaudible, illisible, c'est cohérent. Donc cette fois-ci, on va faire le chapitre 3 du séminaire, le chapitre 3. Alors pour ceux qui ont la version du seuil, c'est en page 39. Pour les autres, en version poche, je ne sais pas de quelle page il s'agit. Et c'est une séance qui s'est tenue le 1er décembre 1954. Et en fait, la dernière fois, je m'étais posé la question de savoir si Lacan était toujours à Sainte-Anne ou pas. Oui, il était toujours à Sainte-Anne à cette époque-là, en fait. Hein. Il n'était pas encore à Normale supérieure, Rudulme. Il était à Sainte-Anne. Il est allé à Rudulme beaucoup plus tard. À Sainte-Anne, où il a fait toutes ses études, son internat, il a passé le concours de médecin-chef, il n'a pas exercé, mais... Alors, il y a une chose qui est curieuse, c'est que comme Freud, il n'était pas psychiatre, Lacan. On dit toujours le psychiatre Lacan, mais il n'était pas psychiatre. Parce que le titre n'existait pas, tout simplement. Le titre de psychiatre est intervenu juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est en 1937 ou 1938, quelque chose comme ça. Et donc, comme il a fait ses études avant, il était médecin légiste et neurologue. C'est étrange. Hein? Et Freud était neurologue, en fait. Il n'était pas psychiatre. Ah, ils étaient psychanalystes, ils se disaient psychanalystes, hein. Ils s'autorisaient à se prétendre psychanalystes. Mais leur titre médical, c'était neurologue, médecin légiste, mais pas psychiatre. C'est assez curieux. Ils étaient appelés quand même médecins des asiles jusqu'à la fin des années 30. Et après, le terme asile a été effacé et on a appelé ça hôpital psychiatrique plus tard. Notamment à Sainte-Anne, où il était, hein, où il a fait toutes ses études, son internat, etc. Où il a eu, entre autres, comme maître Clérambault, hein, pour lequel il avait une très grande admiration, Jacques Lacan, pour Clérambault. C'était son... Il le citait comme maître, et personne qui l'avait beaucoup influencé, Clérambault. Clérambault qui a eu une fin de vie un peu particulière, hein, je crois qu'il était un peu fou à la fin de sa vie, était un peu halluciné, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, enfin bon. Il s'est suicidé dans son mémoire. Oui, c'est ça, il s'est suicidé dans un drapé. Passion ouais. Des étoffes. Oui, c'est vrai. C'est juste. Des belles photos. Donc Lacan était à ce moment-là à Sainte-Anne, et donc il a été en Sainte-Anne à partir de 1953, hein, puisque le premier séminaire de Lacan, il l'a tenu en 1953. De 1953-1954, hein, voilà, et il a tenu son séminaire jusqu'à 1981, enfin il est mort en 1981. En 81, c'était pas vraiment un séminaire, il a écrit une lettre de dissolution de son école. On a considéré que c'était le séminaire de l'année, quoi, mais il a pas parlé devant des gens, puisque en fait, deux années auparavant, il a été frappé d'aphasie, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler, parce qu'il avait fait un AVC, tout ça, c'est bon, hein. Voilà, il a fait un AVC, et ensuite il est mort d'un cancer abdominal, il a été opéré, mais ça n'a pas marché, et on dit que ses derniers mots, c'est assez étrange, les derniers mots de Lacan, il a dit « je suis obstiné, je disparais ». Je laisse ça à votre perplexité, parce que moi-même j'en ai pas le sens, cette phrase. Chacun peut avoir le sens qu'il veut, je dis « je suis obstiné, je disparais ». C'est curieux. Donc dans ce chapitre 3 là, de son séminaire, qu'il a tenu donc, voyez, pendant beaucoup d'années, hein, il y a quand même, en théorie, 25 séminaires, 25. Mais paru en librairie, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, ils sont loin d'être tous parus. Parce que son gendre, qui est toujours vivant, Jacques-Alain Miller, eh bien il les distille un peu au compte-gouttes. Hein. Parce que pour lui, c'est quand même une rente, hein. Ça se vend dans le monde entier. Ça ne se vend pas comme
comme certains livres, comme un best-seller partout, mais ça se vend tout le temps et partout. Donc c'est quand même une rente intéressante. Donc il en transcrit de temps en temps un séminaire par-ci par-là. Évidemment, c'est un gros travail pour lui, hein, faut reconnaître, c'est un gros travail parce qu'il a toutes les notes de Lacan, quelques enregistrements pirates faits avec des magnétophones de l'époque, quelques petites vidéos, pas bonnes, pas grand-chose, parce que Lacan ne voulait pas. Hein. Lacan ne voulait pas être filmé, ne voulait pas être enregistré. Il ne voulait pas être publié. C'est quand même étrange. Hein. Il y a des gens qui se battent actuellement pour être publiés. Et Lacan, non. Il appelait ça la poubellication. Pour lui, c'était mettre les affaires à la poubelle, c'est être publié. Donc il ne voulait pas être publié. Alors son genre, sur ses vieux jours, son genre, la fin de vie, a fini par l'influencer fortement. Et il a fini par dire, bon, pourquoi ça ne l'intéressait pas vraiment, la publication. Il s'en foutait complètement. Et d'ailleurs, les titres des séminaires, les titres des chapitres, ce n'est pas des titres de Lacan. Hein. Là, par exemple, je vois le titre, là, c'est l'univers symbolique, le titre qui est dans le bouquin. Et ce n'est pas Lacan qui a titré ça comme ça, hein. C'est Jacques-Alain Miller qui a titré comme il l'entendait. Pourquoi pas ? Ce n'est pas un titre inadéquat, hein, on va dire ça. Mais ce n'est pas de Lacan. Comme le fait qu'il y a des interventions de certaines personnes qui ne figurent pas dans le bouquin. Par exemple, dans ce chapitre précis-là, le 1er décembre 1954, il y a Didier Anzieux, je vais vous en dire deux mots, qui est intervenu. Et on n'a pas l'intervention de Didier Anzieux, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a raconté, je n'en sais absolument rien. Ce qu'il a raconté. Hein. Il y a d'autres gens qui sont là, il y a Jean-Hippolyte, il y a Octave Manoni, il y a plein de gens. Donc Claude Lévi-Strauss n'est pas là, il était là des fois d'avant. Et donc on voit les interventions d'Octave Manoni, d'Hippolyte, etc., mais pas celles d'Anzieux. Anzieux, je vous en dis deux mots parce que c'est un personnage intéressant qui était psychologue, agrégé de philosophie, il me semble aussi, très brillant, et qui était en analyse avec Lacan. Bon, ça, c'était relativement banal, si je puis dire, mais ce qu'il était moins, c'est que Lacan avait soigné sa mère, mais Didier Anzieux ne le savait pas. Sa mère s'appelait Aimé Pantaine. C'est le cas, Aimé Pantaine, c'est la thèse de doctorat de médecine de Jacques Lacan, le cas Aimé. A-Y-M-E-E. Aimé Pantaine, de son nom. Et Jacques Lacan a fait sa thèse de médecine sur Aimé Pantaine parce que c'est une femme qui a eu un destin assez particulier. Elle était paranoïaque, on dirait ça comme ça maintenant, et à l'époque aussi d'ailleurs. Elle avait un syndrome paranoïaque très marqué. Et elle était très soupçonneuse vis-à-vis d'une actrice qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle avait vue au théâtre à Paris. Et cette actrice, elle pensait qu'elle voulait du mal à son fils Didier Anzieux. Et donc elle s'était dit, il faut que je la tue. Et quand même, ça rigolait pas, hein. Il faut que je la tue. Donc Aimé Pantaine, elle est partie avec un couteau de cuisine au théâtre. Elle a essayé d'embrocher l'actrice. Alors elle l'a raté, mais pas totalement quand même, elle a coupé les tendons quand même. Hein. Donc elle était assez grièvement blessée quand même, l'actrice en question, et sûrement assez mécontente, j'imagine. Et donc, elle voulait absolument la supprimer, bah, parce que c'était pour elle supprimer quelque chose d'agressif pour son fils. Et par ailleurs, elle avait eu une sœur qu'elle n'aimait pas, qu'elle haïssait. Et elle trouvait que cette actrice ressemblait à cette sœur. Donc il fallait aussi la supprimer, voilà. Elle avait plein de trucs interprétatifs comme ça, qu'on dirait persécutifs maintenant, hein. Interprétatifs et persécutifs, qui l'ont amené à ce passage à l'acte, très grave. Et bizarrement, elle est allée à Sainte-Anne, bien entendu, hein, elle a été déclarée irresponsable, elle est allée à Sainte-Anne, et c'est Jacques Lacan qui l'a pris en soin, Aimé Pantaine. En même temps qu'il avait dédié Anzieux en analyse. Donc c'est une situation quand même cocasse. Donc il s'est occupé beaucoup d'Aimé Pantaine, et il y a toute une bibliographie sur Aimé Pantaine, des tas de notes de Lacan là-dessus, etc., mais qui sont dans sa thèse. Alors cette thèse, elle est très compliquée. Hein. Elle s'appelle « Des rapports de la psychose paranoïaque avec la personnalité », ou l'inverse. « Des rapports de la personnalité avec la psychose paranoïaque », quelque chose comme ça, le titre de sa thèse de doctorat de médecine. Et c'est vraiment pas très accessible. Hein. Pourtant, il était très jeune, c'était le début. C'est sa première écriture, en fait. Il a écrit ça bien avant les écrits et bien avant les séminaires qu'il n'a jamais écrits, puisque c'était des séminaires parlés. C'était oral.
Donc, Aimé Pantène, alors Aimé Pantène, bon, il l'a eu, il ne l'a pas analysé, mais il la soignait par des médicaments, il parlait beaucoup avec elle, il lui tirait beaucoup les vers du nez, ce qui était assez malsain parce qu'en même temps, il avait le fiston, quoi, donc allongé sur le divan. Et il ne disait pas à Didier Anzieux qu'il soignait sa mère, il ne le disait pas. Donc c'était un peu pervers quand même, hein, sur les bords. Alors je ne sais pas pourquoi il ne le disait pas, parce qu'il n'en parle pas à Lacan de ça. Est-ce que c'était parce qu'il voulait lui cacher volontairement, par stratégie thérapeutique, je ne sais absolument rien, on ne saura jamais rien. Toujours est-il qu'un jour, Didier Anzieux, il a fini par l'apprendre quand même, cette histoire-là. Hein. Il a fini par apprendre ça, il a été fou furieux contre Jacques Lacan, il est parti, il a cessé sa psychanalyse. Il a réclamé à Jacques Lacan tout le dossier, toutes les notes de sa mère, mais il ne les a pas eues. Jacques Lacan ne lui a pas donné, il n'a pas voulu lui donner. Hein, c'est étrange, hein, cette aventure-là. Et si je vous cite ça, si je vous dis un petit mot comme ça sur Didier Anzieux, c'est parce qu'il est cité dans ce chapitre, précisément, et qu'il intervient. Mais on ne sait pas ce qu'il raconte, du tout. Bon, ben, c'est pas très grave. Alors, Didier Anzieux, il est quand même assez connu, hein, parce que, alors, s'il y a des psychologues parmi vous, je peux vous dire quand même que Didier Anzieux, c'est celui qui a créé le premier syndicat des psychologues, de la défense des psychologues, quand même. On peut lui rendre grâce de ça. Et il a écrit un bouquin qui est très très connu, qui est vendu dans le monde entier, qui s'appelle « Le moi pot ».« Le moi pot » de Didier Anzieux. C'est un livre extrêmement connu. Et moi, je ne trouve pas palpitant, hein, sincèrement, « Le moi pot ». Si je vous disais « Faut l'acheter, faut pas l'acheter », non, vous ne l'achetez pas. Voilà, parce que... Vous pouvez en lire des extraits comme ça sur internet, bon, c'est intelligent, hein, c'est pas du tout quelque chose d'obscurantiste, mais c'est, je sais pas, c'est pas palpitant. Enfin, moi ça m'a pas accroché, peut-être que vous ça vous plairait, hein, je n'en sais rien. Mais... Donc, en fait, le fait de parler, vous voyez, de cet escamotage des notes de Jacques Lacan sur Aimé Pantène, ça fait penser à un autre escamotage dont je vous avais parlé un petit peu la dernière fois. Vous savez que Freud avait correspondu pendant très longtemps avec Wilhelm Fliess. Fliess, c'était un adepte de Freud, un de ses compagnons de route, un ami très proche. C'était même plus qu'un compagnon théorique de travail, c'était un ami très très proche. C'était un chirurgien ORL, mais très particulier. Hein. On peut dire qu'il était même complètement fou, quoi, Fliess. Il avait une théorie sur l'hystérie qui était drôle d'un côté et tragique de l'autre. Parce que, en fait, sa théorie à Fliess sur l'hystérie, c'était que l'hystérie, ça se tenait dans le cornet postérieur du nez. Quand même le faire. Hein. Donc, si ça en était tenu là, à dire simplement l'hystérie, oui, son espèce d'épicentre névralgique, si je puis dire, c'est le cornet postérieur du nez. Si ça était tenu là, ça n'aurait pas eu trop de problèmes. On aurait dit, bon, ça va, il est zinzin, je vois plus. Encore qu'à l'époque, hein, des théories comme ça, ça pouvait fleurir plus facilement que maintenant, avec la neurologie de l'époque. Mais le problème, c'est qu'il opérait. Et donc, il enlevait des cornets postérieurs à tous les gens qui passaient par là, à toutes les jeunes femmes dont on disait qu'elles étaient hystériques. Et c'était à chaque fois une catastrophe. Parce que c'est même une chirurgie actuelle qui est très complexe. Très complexe, très périlleuse, même actuellement. Hein. Alors vous imaginez à l'époque de Freud, comment ça pouvait se passer, quoi. Et donc, ça s'était très mal passé, ça avait été une catastrophe. Et Freud avait été averti de cette... il y avait eu une intervention sur une jeune fille qui s'appelait Emma Eckstein. Emma Eckstein, elle est très connue. Fils l'a opéré du cornet postérieur. Ça a été une catastrophe. Elle a perdu du sang, elle a failli mourir 50 fois. Et elle s'est retrouvée chez Freud, dans une des chambres chez Freud. Ben voilà, parce que le fils ne savait plus comment s'y prendre. Il envoyait d'autres chirurgiens, enfin, il était dans une panade épouvantable. Et Freud aussi. Et un jour, Freud est entré dans la chambre d'Emma Eckstein qui saignait à un point, etc. atroce, du nez, etc. Et donc, elle était toute blanche, et tout ça. Puis Freud l'a vu, et Freud est tombé dans les pommes, devant elle. Et alors, Emma Eckstein lui a dit, ah ben c'est ça le sexe fort, à Freud. Oui. Alors, ces choses-là, on les sait parce qu'on a maintenant la correspondance complète des lettres de Freud à Wilhelm Fliess. Mais pas l'inverse.
Les lettres de Wilhelm Fliess à Freud, on ne les a pas parce que Freud les a détruites. Parce qu'il y a tous ces trucs-là, justement. Il y a tous ces trucs, notamment l'histoire d'Emma Eckstein. Donc Freud ne tenait pas tellement à ce que ça se sache, tout ça, hein, évidemment. Parce qu'il était un peu, je dirais complice, c'est pas le mot, mais il était là, quoi. Il était à côté, quoi, pour cette aventure tragique. Donc, on raconte qu'il est tombé dans les pommes, alors elle a dit, c'est ça le sexe fort, etc. Puis il est allé dans une autre pièce boire du schnapps à haute dose pour s'en remettre. Le père Freud. Bon, voilà, il est arrivé des choses comme ça à Freud. Et évidemment, ça a servi la soupe hein, à tous ceux qui sont les contradicteurs de Freud, évidemment, hein, notamment Michel Onfray. Ça fait son bonheur, l'histoire d'Emma Eckstein. Hein. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, Freud a eu beaucoup d'échecs et il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Je vous lirai tout à l'heure un petit extrait d'une lettre qu'il écrit. Et vous verrez qu'il ne se vante pas de quoi que ce soit, c'est même le contraire. Il digérera tout, quelque chose comme de cet ordre-là. Vous verrez dans le petit texte que je vais vous lire. Et si je vous parle de ça par rapport à Aimé Pantène et à la thèse de Lacan, c'est parce qu'il y a eu un escamotage des travaux de Lacan sur Aimé Pantène, et il y a eu un escamotage complet des lettres de Freud à Wilhelm Fliess par Anna Freud, sa fille. C'est-à-dire que c'est Anna Freud qui a fait paraître ça, avec aussi un peu Marie Bonaparte. Elles ont fait paraître toutes ces lettres, si vous voulez, elles ont disparu, quoi, après. Elles ont bien voulu faire paraître ce qu'elles voulaient. Hein. Anna Freud, elle a fait paraître... Alors, ça s'appelle « Naissance de la psychanalyse ». Vous avez un bouquin de Freud qui s'appelle « Naissance de la psychanalyse ». Il ne faut pas l'acheter, surtout pas, parce que c'est une vaste escroquerie. Hein. Dans la mesure où c'est ça, où c'est la même chose que ça, Sigmund Freud, paru au PUF, version complète, édition complète. Il y a toutes les lettres de Fliess, de Freud à Fliess, pardon, d'ailleurs c'est mélangé, de Freud à Fliess, elles y sont toutes. Mais dans Naissance de la psychanalyse, qui est dit de Freud, il n'y a pas toutes les lettres, et loin de là, il en manque au moins une centaine. C'est-à-dire que toutes les lettres un peu gênantes, Anna Freud, elle les a escamotées. Elle les a escamotées, elle les a mises de côté, elles ne sont pas publiées dans ce... Alors il y a eu diverses éditions, où elle en a rajouté quelques-unes, mais pas toutes, loin de là. Hein. Donc voilà, c'était pour dire qu'il y avait une espèce de parallélisme là entre ces deux aventures, un peu sordide, un peu triste quoi, quand même. Quoi. Freud était très embarrassé par cette histoire. Hein. Il savait que Ida, elle s'appelait Ida, Ida Fliess possédait ses lettres. Il le savait. Il a essayé de lui racheter. Elle n'a pas voulu. Faut dire, je l'ai dit la dernière fois, il l'appelait la grosse vache ou la sorcière. Donc évidemment, il ne fallait pas qu'il s'attende à avoir une amitié très chaleureuse de sa part. Surtout qu'elle ne voulait pas lui donner les lettres. Donc du coup, en fait, c'est Marie Bonaparte qui a acheté les lettres à Ida, parce que Marie Bonaparte était très riche. Hein. Marie Bonaparte, c'était l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier. Et c'était la femme du roi de Grèce. Et le roi de Grèce, à cette époque-là, je ne sais plus comment il s'appelait, peut-être à Constantin quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il était pédophile et il s'occupait uniquement des petits garçons. Donc ce n'était pas un problème pour Madame... Voilà, pour elle, elle avait l'argent à flot, Marie Bonaparte, et donc elle pouvait subventionner Freud, entre autres. Elle donnait beaucoup d'argent à Freud. Elle a donné beaucoup d'argent aux Allemands, notamment lorsque Freud est parti en 1938 en Angleterre. Les Allemands ont réclamé une rançon énorme pour Freud. Sinon, il ne pouvait pas partir. Donc c'est elle qui a payé. Elle a payé. Donc... Marie Bonaparte était de celles qui aussi ont escamoté ses lettres, et celle qui les a rachetées, les lettres de Fliess. Alors Freud lui a écrit une lettre désespérée en lui disant « Marie, si tu veux, je peux payer la moitié. » Ce qui n'était pas très réaliste, parce que Freud n'avait pas d'argent. Freud, il était relativement pauvre, hein, finalement. Hein. Et donc, il n'avait pas le fric, et il ne pouvait pas avancer la somme que demandait Ida Fliess pour les lettres de Freud. Donc Marie Bonaparte lui a répondu gentiment « Non, non. » Elle était un peu faux cul parce qu'elle l'a embobiné. Elle lui a répondu une lettre où elle lui dit « Mais vous êtes si grand, votre postérité va être si énorme, monsieur Freud, cher Sigmund, que vous n'avez pas... Ces lettres sont sans importance pour vous. »
qu'il y ait dedans des choses qui soient peut-être complètement embarrassantes pour vous, quelle importance, puisque la postérité, vous serez glorifié par tous, etc., à l'égal d'un dieu, enfin, elle y va, elle fout le paquet, quoi, fait qu'elle l'embobine. Pas tellement, parce que lui, il lui répond, vous savez, ça prend pas trop ce que vous me dites quand même, hein. La postérité, ma postérité, je sais pas trop ce qui va en rester de ma postérité. Il dit ça, lui. Donc, faut pas me prêter des trucs que je ne pense pas. Enfin, bon, vous voyez, c'est des micmacs de l'histoire, de cette histoire, de cette époque-là. Et donc, cette lettre, bah, je vous la lirai tout à l'heure, la lettre de... Alors que c'est pas cette lettre-là, mais une lettre qui n'a pas été escamotée. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas escamoté celle-là, mais c'est la lettre où Freud explique pourquoi il a abandonné sa première théorie, la première théorie avec laquelle il soignait les gens, qu'il appelait la théorie de la séduction. J'en ai parlé la dernière fois, hein, vous vous rappelez, hein, avec des supposés traumas dans la toute petite enfance. Ce trauma est si violent et si fort et d'ordre sexuel que les enfants en choisissent un autre épisode douloureux de leur enfance pour masquer le premier trauma, un trauma secondaire qui devient une espèce d'écran par rapport au premier trauma. Et donc, le travail de Freud, c'était de faire sortir les vers du nez, si je peux dire, à ses patients en leur demandant « Mais oui, mais ce que vous me racontez là, c'est un traumatisme qui vous revient comme ça, mais il y en a sûrement un autre que vous ne pouvez pas me dire, qui est plus grave. » Et donc voilà, bon, et puis alors, il en parlait comme ça, et les gens finissaient par en dire quelque chose. Et pas cette fois-ci, parce que je n'aurai pas le temps, mais la prochaine fois, peut-être, je vous lirai le cas de Katharina, dont je vous ai parlé, hein, cette espèce de psychanalyse bizarre, sauvage dans les montagnes, où c'est typiquement cette théorie-là qu'il applique, hein, avec un certain succès. Ce qu'il y a de curieux d'ailleurs, hein, par rapport à la théorie du trauma, c'est qu'on se dit, Freud a abandonné ça en 1897, donc ça fait longtemps quand même. Eh bien, il y a des tas de gens qui maintenant utilisent cette théorie-là, dans leur pratique. Il y a des tas de gens qui travaillent avec ça. C'est quand même étrange. Un truc que Freud a balancé par la fenêtre est utilisé maintenant, hein, la théorie du trauma initial, originaire, etc. Il y a plein de thérapeutes qui utilisent ça. Bon, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison, moi j'en sais rien. En tout cas, ça se fait. Donc je vous lirai tout à l'heure la lettre, ou une lettre qu'il écrit à Fliss, où il abandonne sa théorie du trauma. Et là, il abandonne ça, parce qu'il se dit que ça ne marche pas. Voilà, je vous lirai tout à l'heure. Donc on va faire le chapitre 3, je vous disais, hein, qui s'appelle donc l'univers symbolique. Alors, il y a un personnage très important qui se trouve dans ce chapitre, tout en filigrane. On ne voit que lui, c'est Claude Lévi-Strauss. On ne peut pas le louper. Hein. Il ne parle que de lui dans ce chapitre-là, pratiquement. Je serais mal intentionné que de le passer sous silence. Là. C'est pas possible. Hein. Parce que il y a une chose, c'est que la lecture de Claude Lévi-Strauss, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Si vous lisez son livre le plus connu, qui s'appelle Les structures élémentaires de la parenté, hein, de Claude Lévi-Strauss, eh bien, c'est pas de la tarte. Hein. C'est très mathématique, très mathématisant, c'est fort complexe, quoi, hein. Le petit papier que je vous ai distribué, d'ailleurs, c'est la théorie mathématique qu'utilisait Claude Lévi-Strauss pour parler des alliances, des mésalliances, des interdits, etc., comme ça, dans toutes les directions, entre les gens, entre les tribus, entre les groupes, hein, entre les groupes. Et il avait mis ça en mathème, comme disait Lacan, en mathématiques, avec l'aide d'un mathématicien très connu qui s'appelait André Weil, alors qui était le frère de Simone Weil, mais pas Simone Weil, la ministre que l'on a connue, qui est panthéonisée, hein. C'était le frère de Simone Weil, la philosophe, une philosophe agrégée de philosophie, qui est morte très jeune, hein, qui était plus âgée que Simone Weil, la panthéonisée, qui était née au début du siècle. Au début du siècle, Simone Weil, ça s'écrit pas pareil d'ailleurs, ça s'écrit avec un W, Weil, hein, la philosophe. Alors que Simone Weil, l'actuelle, si je puis dire, entre guillemets, c'est avec un V. Voilà. Et donc c'était une philosophe très engagée politiquement, extrêmement engagée politiquement, très à gauche, et qui a voué toute sa vie aux autres, quoi, à l'autre. Tout en travaillant énormément, elle était agrégée, normale supérieure, enfin tout ce que vous voulez, une femme extrêmement brillante. Et donc, enfin je ne suis pas là pour raconter la vie de Simone Weil, hein, mais elle est morte très jeune de la tuberculose, à 33 ans ou 34 ans, hein, avant la Première Guerre mondiale, il me semble, c'est ça, avant la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Alors, enfin en tout cas,
pourquoi je vous parle de son frère, André Weil, parce que c'était le mathématicien de Claude Lévi-Strauss. Voilà. Claude Lévi-Strauss avait besoin d'un mathématicien, il était anthropologue, lui, hein, ethnologue. Je croyais qu'il n'était pas agrégé de philosophie aussi, non? Si, hein, il était agrégé de philosophie aussi. Enfin, il était bardé de diplômes aussi. Il est mort très, très vieux d'ailleurs, hein. Il est mort en 2009, vous vous rendez compte? Il est mort à 100 ans, presque 101. Il avait un peu plus que 100 ans et quelques mois, Claude Lévi-Strauss. Il a travaillé énormément donc, sur les structures élémentaires de la parenté, et puis donc sur les alliances. Donc. Et puis il a écrit un autre bouquin, plusieurs autres, mais un autre bouquin qui est très connu aussi, qui s'appelle Triste Tropique. Triste Tropique, c'est très connu. Et c'est le récit de ses voyages, de ses errances dans le monde entier. Parce que Claude Lévi-Strauss, il est allé partout. Il est allé partout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Lacan dans ce chapitre 3? Alors, oui, je vous parle de Claude Lévi-Strauss. Ça veut dire qu'au séminaire de Lacan, il y avait du beau monde. Hein. Il y avait du beau monde. Hein. Il y avait Philippe Solers, il y avait Claude Lévi-Strauss, il y avait Françoise Dolto, il y avait Manoni, il y avait plein de gens célèbres qui sont passés. Hein, une palanquée de gens célèbres. Il y a Sartre qui a fait un tour, un petit tour. Non, pas Camus, même si je connaissais Camus et Lacan, mais je n'ai pas vu au séminaire. Mais beaucoup. Il connaissait aussi très bien Picasso, et Picasso n'est pas venu. Mais il y a des tas d'autres gens qui sont venus. Simone de Beauvoir est venue au séminaire, peut-être une ou deux fois seulement, mais elle est venue au séminaire. À l'époque où les gens posaient encore des questions, hein, parce qu'après, à partir des années 70, les gens ne posaient plus de questions. Le séminaire devenait tellement complexe que les gens ne pouvaient même plus poser de questions. Il y avait une espèce d'embarras, quoi. Hein. Et Lacan, il parle de ça, justement, au tout début du chapitre, parce que il est un peu agacé par le fait qu'il y a plein de gens qui posent des questions complexes, complexes, tourmentées, etc. Et puis, qui ne sont pas forcément finalement si intéressants, si productives. Et donc Lacan s'en agace. Et il le dit carrément, il le dit ceci, c'est écrit dans les premières pages de votre chapitre 3. Hein. Il ne s'agit pas ici de séances de communication scientifique. Vous n'êtes nullement en représentation. Il leur dit, arrêtez de faire les parangons, vous n'êtes nullement en représentation. Vous ne devez pas chercher à dire des choses élégantes, destinées à vous mettre en valeur et à augmenter l'estime qu'on peut déjà avoir de vous. Vous êtes là pour vous ouvrir à des choses inattendues, alors pourquoi ne pas poser les questions les plus profondes en vous, même baroques, vous voyez? Il leur dit, faites un peu attention, quoi. C'est pas parce qu'il y a des belles âmes qui sont là, c'est pas parce que Claude Lévi-Strauss était là, il y a des belles âmes, tout ça, qu'il faut que vous soyez absolument tenu de paraître intelligent, puisque vous l'êtes déjà. Il est gentil, il aime ça, hein, voilà. Et puis après, il continue en disant, vous voulez tous paraître trop intelligent. Tout le monde sait que vous l'êtes. Alors pourquoi vouloir le paraître? Et de toute façon, quelle importance? Soit pour le paraître, soit pour l'être. Voilà. C'est bien dit. C'est joliment dit. Donc, après, bien sûr, on arrive, s'il parle de Claude Lévi-Strauss, c'est pas par hasard, c'est parce que Claude Lévi-Strauss était structuraliste comme lui. C'est-à-dire que, pour Claude Lévi-Strauss, je fais un raccourci vraiment colossal, je ne suis pas un spécialiste de Claude Lévi-Strauss, je vous le dis tout de suite, hein. Claude Lévi-Strauss considérait que les alliances, si vous voulez, l'évolution générale de l'homme et de l'humanité n'avait pas un caractère naturel. Ça n'était pas biologique, si vous voulez, d'une certaine façon, quoi. Hein. Ce n'était pas une espèce d'évolution avec un versant systématiquement naturel. C'était, pour lui, comme pour Lacan, structurel. C'est-à-dire qu'il y avait un cadre qu'on pouvait presque mettre en mathématiques, ce qu'il a fait, Claude Lévi-Strauss, hein, ce qu'il a fait, et qu'on pouvait régler avec cette approche mathématique, eh bien, toutes les alliances et toutes les interactions entre les sujets humains parlant. Voilà. C'était un peu la théorie de Lévi-Strauss, qui n'était pas tout à fait la même que celle de Lacan. Alors, Claude Lévi-Strauss était là, dans ses premières séances, là. Il était présent à ses premières séances, mais ils ont eu une espèce de malentendu, de mésentente sur la notion de structure et sur la notion de symbolique. Alors, en deux mots, je vous explique ce que ça veut dire, le symbolique chez Lacan. Ce n'est pas simple, hein, mais je vous avais dit un truc assez trivial la dernière fois. Je vous avais dit que, avant que j'ai dit ça plusieurs fois, parce que
c'est un exemple qui est parlant et je le répète d'année en année, mais parce que j'en ai pas trouvé de meilleur, tout simplement. Hein. Il y en a sûrement de meilleur, je n'ai pas trouvé. C'est que avant que vous soyez né, vous êtes souvent nommé. Donc vous existez en tant que symbole, on pourrait dire S1, avant que de naître. Vous existez déjà. Hein. Puis alors ensuite vous naissez, vous venez au monde, et donc on vous appelle, vous êtes nommé là, carrément. Hein. Vous êtes nommé et vous existez. Vous êtes un sujet. Et ensuite, là, vous partez, vous décédez, ça vous arrive forcément un jour ou l'autre. Et bien, et du coup, bah, vous êtes encore nommé parce que sur votre pierre tombale ou au columbarium sur votre plaque, eh bien, on va mettre votre nom encore une fois de plus. Hein. Donc, vous voyez qu'on pourrait appeler celui-là, par exemple, S2 et celui-là, S3. Et donc, la théorie lacanienne, là, il y a beaucoup de lacaniens qui vont dire que je suis beaucoup trop simpliste, etc., que je ramasse la notion de symbolique à ras de terre, mais je m'en fous, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas ici pour que vous ne compreniez rien. Hein. Parce que si vous lisez le texte lacanien, bonjour, hein, sur le symbolique, hein, bonjour. Hein. Donc, je simplifie les choses et j'insiste sur le fait, que je l'ai déjà dit aussi à l'instant, je ne trahis pas le texte lacanien. Je pense que je ne le trahis pas. Je fais tout pour ne pas le trahir, tout en restant accessible, parce que si on n'est pas accessible, cet enseignement est ridicule et inutile, hein, pour moi. Donc, alors, vous êtes nommé, et j'avais même dit la dernière fois que, pour Lacan, à la limite, on pouvait tout à fait, ah, il y a cette espèce de trou ici, là. Pour Lacan, on pouvait tout à fait, même à la limite, effacer le sujet, et ça n'empêche pas le symbolique de persister. Ce qui veut dire que, en tant que sujet, si je vous remets là, je vous replace à la place d'honneur, eh bien, vous êtes pris dans une espèce de maillage infini de symboles. Une espèce de maillage infini de symboles dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, ça n'a pas de sens, mais c'est pour illustrer. Je fais image un petit peu, si vous voulez, pour que vous compreniez ce que c'est que le symbolique lacanien. C'est un espèce de tout totalement inaccessible. C'est un impossible. C'est un impossible. Hein. C'est une espèce de maillage. Même pas universel, le mot universel ne vient même pas. Hein. C'est une espèce de maillage d'une totalité dans laquelle nous sommes pris. Dans lequel nous sommes pris, c'est le maillage. Et il appelle ça le symbolique. D'accord. Et pour lui, donc, c'est une structure. C'est une structure qui nous surdétermine, dit-il. Qui nous surdétermine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en dépêtrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de liberté, il ne dit pas ça, hein. Il ne dit pas ça. Mais il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas et qui nous surdéterminent en partie. On a quand même du libre arbitre, etc. Il ne dit pas le contraire de ça, là, bien entendu. Hein. Il dit que s'opère avec les symboles, il le dit du moins, s'opère avec des symboles innombrables. Qu'on ne peut pas, dont il disait, on ne peut pas en faire une brassée. D'accord, on disait ça, c'est joli comme terme. On ne peut pas en faire une brassée, c'est impossible. Donc, avec ces symboles, on peut faire une aventure dialectique. Ça ne nous est pas interdit. Quand on arrive au monde, quand l'enfant est tout petit, eh ben, il n'a pas de symbole, ou il en a très peu. Et il va organiser sa symbolique en sa maman, pas être son premier symbole. Il va dire maman, hein, et puis papa, et puis voilà, et puis le chien, et puis tout un tas d'objets vont s'organiser comme ça. Et vont devenir son espèce d'environnement symbolique nommé. Hein. Mais évidemment, ce ne sera qu'une part, même pas infime, c'est même pas le terme, ce ne sera qu'une part. Je n'aime pas si on veut dire que c'est pas une part d'ailleurs, hein, parce que ça, une part, ça veut dire qu'on fait une espèce de soustraction, alors qu'on ne peut pas soustraire quelque chose d'une totalité, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous comprenez là. Hein. Donc, l'enfant, si vous voulez, attrape des symboles, les fait siens, et puis, eh ben, se construit son symbolique avec quoi ? Eh ben, avec le langage. C'est pour ça qu'il y a une phrase de Lacan qui est énigmatique, mais que finalement on comprend bien comme ça. Il dit, le symbolique, c'est le langage. Ah, genre, le symbolique, c'est le langage. Ça veut dire quoi, ça ? Le symbolique, c'est le langage. Mais c'est ça. Ça veut dire que l'enfant tout petit, il n'a pas d'autres ressources, si vous voulez, pour s'agréger différents termes de son existence environnementale, que la parole. Il faut bien qu'ils disent maman, papa, et qu'ils nomment les choses.
faut qu'il nomme les choses. Donc le langage, c'est le symbolique. Oui, ben oui, c'est un espèce de raccourci métonymique extrême, mais après, comme ça, on le comprend, quoi, si vous voulez. Hein. Donc, ce symbolique-là, il posait problème à Claude Lévi-Strauss, le symbolique lacanien. C'est pas qu'il s'y retrouvait pas. Hein. Ils étaient assez d'accord quand même. Hein. Mais tout d'un coup, Claude Lévi-Strauss, lors d'un séminaire, a posé une question à Lacan. On l'a pas la question d'ailleurs, c'est dommage, je sais pas comment il l'a formulée. Mais en tout cas, le sens de cette question, c'était de dire à Lacan, mais est-ce que ton symbolique, ou votre symbolique, je ne sais pas si le tutoie ou quoi, est-ce que votre symbolique, ce ne serait pas une façon de faire sortir Dieu par une porte et de le faire entrer par la fenêtre? Donc est-ce que ce serait une forme de transcendance, votre symbolique? Alors Lacan, les bras lui en sont tombés. Parce qu'il a dit non, moi, mon symbolique n'a rien à voir avec la transcendance. Rien à voir. Cette espèce de maillage structuraliste là, dont je vous ai parlé, c'est pas une transcendance. D'ailleurs, Lacan, je vous lirai une petite phrase qu'il dit à ce sujet-là, c'est assez amusant comment il réfute ça, justement. Il le réfute par 4 ou 5 lignes, et c'est un peu cinglant pour Claude Lévi-Strauss, mais c'est pas méchant, mais c'est subtil, c'est malin, et c'est drôle en même temps. Et donc, il y a eu une discordance entre Claude Lévi-Strauss et Lacan, parce que pour Claude Lévi-Strauss, la structure symbolique, c'était pas la même. C'était une mathématisation, enfin une mise en mathème, si vous voulez, des échanges intersubjectifs entre les tribus, entre les groupes, etc., qui lui avait été proposé par donc le mathématicien dont je vous ai parlé, André Weil. Et André Weil avait pris pour modèle, avait trouvé que un groupe qui s'appelle le groupe de Klein, c'est un groupe mathématique hein, qui s'appelle le groupe de Klein, K-L-E-I-N, un mathématicien du 18e siècle, ou 19e, je ne sais plus, qui avait trouvé qui avait nommé un groupe particulier, le groupe de Klein, du nom de ce mathématicien. Et André Weil trouvait que finalement, avec ce groupe-là, on pouvait résoudre toutes les questions des échanges intergroupes, intertribus, etc., que ça pouvait. Ça reste discutable. Hein. Enfin, alors, je vous ai distribué une feuille. Vous avez le truc d'André Weil. Vous avez le groupe de Klein. Je vous ai distribué une feuille. Vous l'avez. C'est ça. Là. Alors, je vais pas aller dans les détails parce que moi, je suis allé dans les détails. Hein. Bon, voilà. Parce que je me suis dit, si je dis un mot du groupe de Klein et que je ne sais pas ce que c'est moi-même, c'est pas très honnête. Donc, je l'ai. Je regardais ce que c'est. Je sais ce que c'est maintenant. C'est pas d'une très grande complexité en fait. Enfin. Si on avance loin dans le groupe de Klein, il y a un moment où ça devient très compliqué. Je ne suis pas allé très loin, mais je suis allé à l'essentiel, pas plus simple. Donc, l'exemple qui est donné très souvent dans beaucoup d'ouvrages, et notamment sur Internet, c'est l'exemple du matelas. Alors, vous, là, cet espace en haut à gauche de votre feuille, c'est un matelas qu'on peut retourner de diverses façons. Hein, parce qu'on dit toujours, les matelas, pour pas qu'ils prennent votre forme, pour pas qu'ils s'abîment, il faut les retourner régulièrement. Hein, voilà, une fois par an, deux fois par an, enfin, peu importe, les gens font comme ils veulent. En tout cas, vous avez en tout cas les quatre façons de retourner un matelas. Vous avez un matelas, alors non, la première façon, l'espèce de I ou de 1 qui est là, c'est le neutre. C'est le neutre, c'est le matelas, il est posé, tout simplement. Si vous voulez, à la limite, c'est même le sommier. Le sommier, il est complètement neutre. Il correspondrait en mathématiques à un 0, un point 1, un 0, parce que si vous faites un 0 et que vous écrivez plus 1, ben, ce sera toujours plus 1. Donc le 0, il est neutre, là. Et si vous prenez le 1 comme neutre, eh bien, si vous multipliez par 7, ben, ça fera toujours 7. Hein. Voilà, quel que soit le chiffre. Voilà. C'est pour ça qu'il... Et donc ça, c'est le neutre, ça ne bouge pas. Et puis là, vous avez... vous voyez, là, le matelas tourne autour de son grand axe horizontal, comme ceci. C'est la manière la plus courante. Je pense que la plupart des gens font comme ça, ils prennent le matelas, puis ils le retournent comme ça. Hein, voilà. Ça, c'est la matière la plus courante. Et puis, vous avez une façon de le faire, alors, à mon avis, quand même plus compliqué, c'est de le prendre par la tête, le matelas, par son côté le moins large, hein, et puis de lui faire une bascule complète. Bon, c'est quand même un peu acrobatique, quand même, un peu difficile, hein, si c'est un grand matelas, de faire ça comme ça.
Voilà, et donc ça c'est ce que j'ai marqué V, hein. J'ai changé les lettres parce que ça ne collait pas avec ma démonstration d'après. H, c'est le, c'est, le, c'est, le, hop, c'est comme ça, le matelas inerte en 1 ou en I. Et puis vous avez ce qu'on appelle le roulis, le, peu importe le roulis, c'est le basculement total vertical. Et puis sinon vous avez le lacet, c'est-à-dire le matelas qui tourne autour de son axe. Alors si vous le faites tourner autour de son axe, évidemment il reste sur la même face. Hein, il reste sur la même face. Alors que si vous faites une bascule, il ne reste pas sur la même face, etc. Et donc après vous avez un petit diagramme qui vous montre ben, justement les échanges. Alors voilà, c'est ce petit diagramme en bas et à gauche, ben, c'est typiquement les échanges, c'est typiquement cette espèce de formule dont se servait Claude Lévi-Strauss. C'est le groupe de Klein, c'est un groupe de Klein. Hein. Alors on dit des groupes de Klein en mathématiques que c'est un groupe non cyclique, non cyclique. Pourquoi? Parce que c'est un groupe cyclique, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui est fait de telle manière qu'il y a un élément générateur à partir duquel on peut extrapoler tous les autres éléments, hein, par un multiple de. Par exemple, vous pouvez, si vous prenez un cercle comme ça, un cercle, puis vous mettez un 1 ici, pour commencer, et un 2, ben vous pouvez 2 fois 2, 4, 8, 16, etc. Vous voyez? Et puis ainsi de suite. Et donc là, ça c'est un groupe cyclique parce qu'il y a un multiple de qui vous permet de construire, comme ça, jusqu'au bout. Alors que là, vous ne pouvez pas faire cette construction-là, hein, par un multiple de. Ça ne peut pas. Il n'est pas cyclique, ce groupe. Il n'est pas cyclique, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas sur lui-même, d'une certaine façon. Il ne tourne pas sur lui-même. Et d'autre part, il est dit par Lacan aussi, Lacan le dit dans le texte, hein, je suis bien obligé d'en parler un petit peu, il est dit non trivial. Non trivial, ça veut dire que, eh ben, il ne va pas de soi, ce groupe-là. Alors que celui-ci est dit trivial. Celui-ci est considéré comme trivial parce qu'il est simple. C'est vrai qu'il est simple. Si on peut peut-être faire des groupes triviaux qui ne sont pas simples, justement. Il y a des mathématiciens qui disent, oui, mais on dit que c'est trivial, mais quelquefois, quand on ne comprend pas, on prend un groupe, alors. Si on ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas si trivial que ça. C'est des finasseries de mathématiciens. Moi, je ne suis pas ici pour vous faire un cours de maths. Hein. Et alors après, vous avez ce petit tableau. Alors, c'est moi qui l'ai fait parce que je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Donc, je l'ai construit. Il est très facile à construire. Vous voyez qu'il y a une espèce de diagonale, là, où il n'y a que des 1, hein, d'être sur une diagonale. Donc, il y a des positions où c'est indifférent. Mais c'est normal, parce que si vous faites, si vous croisez 1 avec lui-même, eh ben, vous avez 1. Et si vous croisez 1 avec H, eh bien, ça, l'inerte avec H, ça va toujours donner le H. Hein. Et ainsi de suite, si vous mettez le R avec le I, ben, le R va rester inerte et ça va faire un R. Par contre, si vous mettez un H avec un R, ça va faire un V. Mais ça, vous regardez les figures et vous comprendrez. Si vous regardez les figures, vous comprendrez. Ça n'a pas un intérêt fou, hein. Mais je le fais par honnêteté parce que je ne voulais pas vous parler du groupe de Klein en vous disant que Claude Lévi-Strauss a utilisé le groupe de Klein tout le temps, et puis, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, quand même pas. Donc là, vous pouvez voir ce que c'est, parce que c'est simple, à la limite. Et donc, en fait, si vous voulez, tous ces petits échanges-là, toutes ces petites équations-là, qui sont en bas à droite, qui sont extrêmement simples, hein, qui sont évidentes, eh bien, c'est ça les échanges, en fait. C'est ça les échanges, le système d'échange de Claude Lévi-Strauss. Alors, par la suite, Claude Lévi-Strauss a trouvé que le système était peut-être un peu incomplet, qu'il ne pouvait pas maîtriser toute la théorisation des tribus et des échanges intergroupaux, par cette simple formule de Klein. Et donc, il est allé un peu plus loin, il a essayé avec André Weil d'aller dans une formule qu'il a appelée la formule canonique. Alors, je n'irai pas, dans cette formule canonique, parce que ben, il n'y est pas allé, il n'a pas réussi. Ils sont plantés. Enfin, si, il a émis une formule canonique que je ne vais pas vous écrire, sans intérêt, mais finalement, il ne s'en est pas servi parce qu'elle était inutilisable. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, sa structure à Claude Lévi-Strauss a été une forme d'échec, quand même. Ça ne veut pas dire que son bouquin, Les structures élémentaires de la parenté, est un échec. Hein. Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais son essai de l'imager mathématiquement a un peu foiré, quand même. Hein, parce que, voilà. Le groupe de Klein, vous voyez un peu ce que c'est pas extraordinaire, hein, ça, franchement, c'est pas de la très haute mathématique, hein, loin de là. Hein. Donc André Weil, je sais pas, vous voulez, pour le coup, quoi, pour le coup.
Alors que les mathématiciens qui étaient avec Lacan, c'était une autre paire de manches. Hein. Il y avait Daniel Siboni notamment, qui est quand même un mathématicien de très très haute gamme, qui a amené Lacan à des sommets d'une complexité complètement dingue. Hein, complètement dingue. Quand on arrive dans les neuroméens qui se croisent, qui s'entrecroisent, et qui sont de lacis, d'enchevêtrement interminable, ça, on y comprend rien, c'est impossible ça, à saisir. Quoi. Mais Lacan était à l'aise là-dedans. Hein. Il nageait avec bonheur dans ce truc-là. C'était son truc à lui, hein. C'était son choix. Donc, pour vous dire que ils étaient tous les deux structuralistes, c'était l'époque d'ailleurs du structuralisme, hein, à cette époque, à ce moment-là. Et donc, il n'y avait pas que, hein. Il y avait André Breton, il y avait tout un tas de gens qui étaient structuralistes, d'une certaine façon Picasso ou d'autres gens aussi, Camus peut-être un peu, et donc Sartre. Donc, voilà, tout le monde nageait un peu là-dedans à cette époque-là. Est-ce que maintenant ça a perdu tout son intérêt? Non. Enfin, pas de mon point de vue. Sur le plan psychanalytique, non. Hein? Parce que, en fait, si vous voulez, ce que Lacan a pu prolonger avec son symbolique à lui, parce que finalement, le symbolique de Claude Lévi-Strauss était un peu en impasse, hein? D'une certaine façon. Il était carrément en impasse. Hein? C'est même ce que lui dit Lacan. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin, ils se sont. Pas fâchés, mais séparés. Ils sont restés amis, mais un peu distants, distanciés. Donc les symboliques, les deux symboliques ne sont pas les mêmes. Et celui de Lacan, il a une vertu dont Lacan s'est servi, c'est qu'il disait finalement, eh bien, notre inconscient, il est dans cette part de symbolique que nous ne maîtrisons pas. Hein. Et donc, il disait, l'inconscient et le symbolique, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose, parce que finalement, si on arrivait à collecter nous-mêmes, à l'âge adulte, autant que nous sommes ici, à collecter la quantité de symboles que nous avons réussi à maîtriser, hein, eh bien, ça ne va pas chercher loin. C'est peut-être une puissance de quelque chose, mais ça ne va pas chercher loin, quand même. Hein. C'est un nombre fini, quoi. Voilà. C'est pas colossal. Hein. Et donc, Lacan disait... Ce qui se niche ailleurs, c'est-à-dire ce qui se niche dans notre externalité, c'est le terme qu'il employait, hein, que nous ne maîtrisons pas, eh ben c'est l'inconscient. Et cet inconscient-là, il est dans le symbolique que nous ne maîtrisons pas, hein, que nous n'avons pas symbolisé, que nous ne pouvons pas nommer, nous n'avons pas à nommer. Ou avec difficulté, en psychanalyse peut-être, hein, ou lorsque nous faisons des actes manqués, lorsque nous faisons des lapsus, lorsque nous faisons des rêves, hein, voilà. Ça peut nous arriver que ce symbolique-là advienne pour nous. Mais autrement, l'inconscient, eh bien, il y a des gens qui s'assoient dessus, quoi. Hein. Après, j'ai pas, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je n'ai pas de mépris pour les théories cognitivo-comportementalistes, c'était CC, hein, pas du tout, hein, parce qu'il y a des gens à qui ça réussit, et pourquoi pas. Hein, j'engage des gens à qui ça réussit à continuer, bien entendu. Hein. Mais c'est une pratique qui est une négation de, quand même d'un inconscient de type freudien, et bien entendu. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Si des gens travaillent bien avec ça, j'ai rien à y dire. Hein. Je vous ai parlé d'Hartmann la dernière fois, hein, c'est le père de l'égo-psychologie, hein. Hartmann, l'américain Hartmann, enfin il était autrichien puis américain chassé par les nazis. Et donc il avait créé ce qu'il appelait l'ego autonome, c'est-à-dire un espèce de moi autonome, hein, un moi fini, parfait, hein, une espèce de sphère lisse, sans aspérité. Et donc Lacan, ça faisait rigoler. Lacan, ça faisait rigoler, quoi, parce que pour lui c'était complètement inepte, quoi, ça n'avait aucun sens de délimiter le moi et de le circonscrire. Ce n'est pas possible. Mais ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Donc il faut que j'avance parce que je n'avance pas beaucoup dans mes... Je bavarde beaucoup, mais... Voilà. Alors, tout d'un coup, il parle de Buffon, tout d'un coup. Hein, du naturaliste, du botaniste mathématicien Buffon, parce qu'il était mathématicien Buffon aussi, hein. 18e siècle, Buffon. Un type génial, hein, qui avait beaucoup observé la nature, etc. Et donc, Buffon était émerveillé par le travail des abeilles, qui fonctionnent, qui fabriquent leurs petites cellules, là, tout ça. Et c'est des formes géométriques extrêmement savantes, voilà, comme les toiles d'araignée sont aussi des formes extrêmement sophistiquées, etc. Alors,
Voilà, l'accord dit ceci. Buffon se demandait pourquoi les abeilles font de si jolis hexagones. C'est une sorte, alors là, écoutez bien le terme qu'il emploie, c'est une sorte de pression de l'occupation de l'espace. Le terme de l'accord, quand on lit ça comme ça, on peut ne pas faire attention aux pressions, mais tout est là-dedans. Hein. C'est une sorte de pression de l'occupation de l'espace. Il ne faut pas se poser des problèmes savants. Est-ce que les abeilles savent la géométrie? D'accord, on dit, c'est pas la peine de se poser ce genre de problème. C'est pas ça l'important. Il dit, il y a une pression de l'espace. Ça veut dire quoi la pression de l'espace pour Lacan? Eh bien, c'est la pression des symboliques. C'est cette pression-là, la pression du symbolique. S1, S1. L'infinité de ces symboles-là, eh bien, exerce aussi. Les abeilles, elles sont prises là-dedans aussi. Les abeilles, elles sont S3000, je ne sais pas où elles sont, hein. Voilà, si vous voulez, S3000. Et donc, elles sont là, elles sont prises aussi, comme nous, hein, là-dedans, les abeilles. Et donc, Lacan dit, alors après, le prouver c'est une autre histoire, il dit, ben, les abeilles subissent une pression, une surdétermination symbolique, elles aussi, qui font qu'elles produisent des formes très sophistiquées, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elles savent la géométrie. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, ce qu'il dit là, hein, mais c'est recevable, on peut contester, mais si on conteste, il faut argumenter. Voilà, on peut argumenter aussi là-dessus. Hein. Alors, il dit, de même, attention à la notion de finalité. Attention à la notion de finalité. Elle est toujours impliquée, larvée dans toute notion causale. Pour la pensée causaliste, où la finalité n'existe pas. Alors, on prend l'exemple des créationnistes, par exemple. Hein, les créationnistes qui pensent qu'il y a un Dieu qui a créé tout à un moment donné, l'histoire. On a le droit de croire en ça, c'est pas du tout méprisable, hein, bien entendu. Mais si on est uniquement créationniste, on se range uniquement du côté de la cause, dit Lacan. Et du coup, il n'y a pas de finalité. Ou la finalité est compliquée à trouver. Parce que c'est la cause qui prend toute la place. Dieu prend toute la place. Quelle que soit la façon dont on le nomme. Dieu, c'est un terme générique, là. Hein. C'est pas un Dieu en particulier. Donc, c'est le divin, si vous voulez, quoi. Ce qui serait le divin, voilà. C'est tellement la cause que le reste est anecdotique, pratiquement. Hein, et du côté de l'anecdote. Alors, oui, alors il parle du groupe de Klein, il dit quelle est l'originalité de la pensée de Lévi-Strauss, etc. Puis il parle du, il dit, ben, c'est le groupe de Klein, etc. Donc on vient d'en parler, donc ça il a écrit ça, sa thèse, c'était sa thèse de je ne sais pas quoi, de doctorat en philo, peut-être sans doute, hein, à Lévi-Strauss. Il avait écrit en 1948, donc longtemps avant sa mort, puisque je vous répète, il est mort en 2009, hein, à 100 ans. Donc voilà, si vous avez le courage de lire cette thèse des structures élémentaires de la parenté, je vous souhaite bon courage quand même. Hein. Bon courage et pas mal de soirées d'hiver devant vous. Lisez plutôt Tristopic. Hein. Tristopic, c'est des récits de voyage. Donc, c'est plus sympa. Comme il est allé absolument partout, c'est quand même pas mal. Hein. C'est intéressant. Quoi, hein. C'était un type remarquable, Lévi-Strauss. Hein. J'en rigole comme ça, mais c'était un type remarquablement intelligent. Qui a beaucoup pensé, voilà, il a beaucoup réfléchi. Il a dit des choses très, très, très subtiles. Alors, Lacan dit ceci. Que dit Claude Lévi-Strauss? Qu'on ne comprend rien au phénomène collecté depuis longtemps concernant la parenté et la famille si on essaye de les déduire d'une dynamique quelconque, naturelle ou naturalisante. Alors là, ils sont d'accord, tous les deux. Sur ça, ils sont d'accord, Lacan et Claude Lévi-Strauss. Hein. Pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas une pente naturalisante qui nous amène à être ce que nous sommes, être parlant, etc., etc. Pour eux, c'est la structure. Voilà. Chacun en prend ce qu'il veut là-dedans, mais c'est comme ça. Hein. Et donc, là-dessus... Alors, vous voyez, il dit même... Je ne dis pas que nous ne pouvons pas nous fonder sur ce que dit Claude Lévi-Strauss. Donc il dit là-dessus, oui, je suis d'accord sur l'histoire que c'est pas. Que faire appel, c'est ça. D'accord, il dit on fait appel tout le temps au naturel, à la nature. On est rousseauiste tout le temps. Hein. Mais c'est pas une bonne opération. Ça nous mène à rien, il dit. Voilà, il dit ça carrément. Ça ne mène à rien. Donc là, il est quand même assez sévère par rapport à
éventuellement, pas qu'à Rousseau, mais à tous les naturalistes en général. Quoi, hein. Il dit, alors il le dit clairement, hein, c'est page 41 dans votre bouquin du Seuil, il dit « À partir du plan naturel, on ne peut déduire aucune structure élémentaire d'ordre référentiel. » Donc avec le plan naturel, on ne peut rien faire. On peut rien faire. On pourrait croire qu'avec le plan naturel, ça serait facile. Hein. On pourrait dire « Un tel est joli, lui aussi, il est pas mal, et puis ils ont le même caractère, etc. Donc ça va aller. » ça. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, hein. Il y a une espèce de surdétermination. Quelque chose qui nous précède et qui nous succède, quoi que l'on fasse, et qui est d'un autre ordre. Quoi, hein. Vous savez, moi, Lacan prenait toujours l'exemple des murs. Il disait, regardez un mur. Alors, il y en a un là. Et moi, cet exemple, je l'ai pris aussi souvent, hein, chaque année, je le redis, parce qu'il est très métaphorique et plutôt malin, subtil dans sa forme, dans son expression, cette métaphore-là. Le mur. Il est constitué bon, de pierre, il est minéral, et dans son expression la plus intime, eh bien, c'est une minéralité minuscule, mais c'est toujours du minéral. Hein. Et donc, ce mur, qu'il soit comme cela, érigé comme celui-là, ou qu'il soit en petit tas de poussière, c'est la même chose, c'est toujours de la minéralité qui est là. Hein. Donc il y a une espèce de constance du mur qui est d'ordre quasi éternel, si vous voulez, quoi, hein, qui se rapproche de cette histoire de structure symbolique lacanienne. Et donc, Lacan, il a par rapport à ça une pensée qui est assez fulgurante, c'est pas, ça lui arrive souvent quand même. Hein. Il disait, ce mur, on ne sait pas ce qu'il est exactement, puisque dans le fond, il nous précède et il nous succède. Donc ça nous pose un problème quand même. Hein. Et il va plus loin, il dit, on pourrait se demander ce que ce mur nous veut. Est-ce qu'à la limite, la minéralité éternelle de ce mur ne nous voudrait pas quelque chose ou n'aurait pas éventuellement un désir pour nous? Alors, ça, Freud l'avait déjà dit à sa façon. Freud l'avait dit en parlant de ce qu'il appelait l'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté de Freud, ça n'est ni plus ni moins que ça. Cette espèce de forme éternelle, alors que Freud nommait chez la mère, la matrice si vous voulez, hein, la forme éternelle, toujours répétée, etc., de la matrice maternelle. Bon, voilà, c'était pas les mêmes exemples que Lacan, mais ça revenait au même. Hein. Quelque chose d'éternel qui nous surtermine et qui est là tout le temps, quoi. Et qui nous inquiète parce qu'on pourrait penser que ça nous veut quelque chose, que ça pourrait nous vouloir quelque chose. Il y a des gens qui délirent là-dessus, hein. Il ne faut pas très longtemps pour que quelqu'un délire sur un thème comme celui-là, hein, un thème persécutif, quoi, hein. Pas forcément pour le mur, sur n'importe quoi d'autre. Hein. Ça peut se porter sur une personne aussi. Hein. Sur une personne. Il y avait le président Schreber, vous savez, c'est un cas très célèbre de Freud, un cas d'un monsieur qui était un magistrat, très bien, de sa personne, etc., mais qui délirait plein pot. Qui délirait plein pot, et notamment sur le soleil. Il délirait sur le soleil. Qu'il voyait comme une femme, ou comme quelqu'un avec qui il pouvait faire un enfant, etc. Voilà, mais il délirait plein pot, et on pourrait dire que Schreber, si vous voulez, il avait une espèce de discussion avec le mur. C'était pas le mur pour lui, mais c'était le soleil. Mais ça revenait au même. Hein. Et donc il voyait en le soleil quelque chose qui était à la fois aimable et à la fois quelquefois menaçant, Schreber. Eh bien, c'était exactement ce que dit Lacan. Exactement ce que dit Lacan quand il parle du mur. Alors, ce symbolique-là, il l'a nommé Lacan. Hein. Ce symbolique-là, le mur, par exemple. Hein. L'autre de l'unité, il l'a nommé le grand autre. Voilà. Alors quand vous demandez à des Lacaniens de vous expliquer ce que c'est que le grand autre, des Lacaniens savants, eh bien, sachants, eh bien, ils vont vous dire, oh mais attendez, le grand autre, il me faudra 27 séances pour en aborder simplement le début du début. Hein, 27 séances de 24 heures. Donc, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que le grand autre. Allez aller regarder des Lacaniens sur Internet, vous n'allez pas être déçus, hein, quelquefois, hein, quand même. Hein. Donc, oui, je ne suis pas un groupie de Lacan, hein. Je ne suis pas assujetti à Lacan, ce n'est pas mon idole, hein, pas du tout. Hein. C'est un monsieur que j'admire parce qu'il a eu une pensée très forte et transcendante, on pourrait le dire, un peu quand même fulgurante, etc. Mais ce n'est pas un gourou. Mais il y a des gens pour qui c'est un gourou, il y a des écoles. Moi, je n'ai jamais voulu adhérer à quelque école lacanienne que ce soit. J'aurais pu le faire, hein, bien sûr. Des écoles parisiennes, bon, il y en a, l'école de la Freudienne, l'école parisienne de Lacan, l'école lacanienne, etc. Il y en a plein.
Mais non, je n'ai pas voulu parce que finalement, quand on, ça colle, quand on se met à la colle avec une école, eh bien, on devient un peu esclave. C'est-à-dire qu'on est un peu tenu de dire certaines choses sous certaines formes. Hein. Et moi, la façon dont je parle de Lacan, bon, ça ne serait pas très bien vu. Hein. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps sur YouTube, hein, où je me suis embroché avec Patrick Vallas. Patrick Vallas, c'est un psychanalyste connu, très connu, hein, et qui avait écrit sur YouTube. Il avait mis sur Facebook, pardon, sur Facebook, pas sur YouTube. Il avait écrit les formules de la sexuation. Peu importe, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui ce que c'est les formules de la sexuation, c'est compliqué, c'est un truc de Lacan. Très complexe. Il les avait écrites toutes, sauf que moi, je les avais regardées, ces formules, puis j'avais trouvé, comme je les avais étudiées peu de temps avant, je les connaissais quand même assez bien, et puis j'avais trouvé qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas, quoi. Et donc, je lui avais dit sur Facebook, écoutez, monsieur Vallas, vous avez telle partie de vos formulations là qui est fausse. Alors il m'a répondu de quoi je me mêle, tout ce que je dis est parfaitement exact, j'ai tout vérifié, etc. Et je lui ai réécrit, j'insiste, monsieur Vallas, et puis je lui ai dit, telle partie de votre formule est fausse. Ce n'est pas ça. Vous faites un contresens. C'est vrai, il faisait un contresens radical. Ça ne voulait rien dire. Hein, la manière dont il avait fait ça. Et il m'a envoyé de paître. Il m'a bloqué sur Facebook, hein, en me traitant de troll, hein, un troll, et puis, mais il m'a bloqué quand même, parce qu'il était bien emmerdé, parce qu'effectivement, il avait tout faux. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effacé tous les échanges que j'avais avec lui, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, et puis, il m'a bloqué, et il a tout modifié ses formules après, et puis j'existais plus, hein, il a tout, voilà, les formules, voilà, c'est... Les Lacaniens sont tous comme ça. Hein. Mais voilà, c'est un type. Voilà, j'ai eu un différent comme ça sur Facebook avec lui, mais c'est un type intelligent, hein, c'est pas ça. Mais voilà, il est trop Lacanien. Voilà. Il ne faut pas surjouer Lacan. Il ne faut pas se prendre pour Lacan. On n'est pas, moi je ne suis pas Lacan. Je lui arrive pas à la carte de la cheville. Donc voilà, il faut être assez modeste. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui attrapent Lacan et qui ne sur Lacan. Le surjoue comme au théâtre, quoi, si vous voulez. Il y a des acteurs qui surjouent et qui agacent les gens. Mais c'est pareil. Ça. Donc, moi, j'essaye de ne pas tomber dans ces panneaux-là et de rester relativement simple sans être simpliste. Sans être simpliste. Quelle est-il ? Encore un petit peu de temps. Alors, il dit une phrase de Lacan, là. Moi, j'extrais quelques phrases du chapitre, hein, comme ça. Hein. J'extrais les plus importantes. Je travaille un peu sans filet, j'ai des notes, mais je n'y lis pas beaucoup. Donc, il dit ceci quand même. Il dit. Ce n'est pas peu à peu, écoutez bien cette phrase parce qu'elle est importante celle-là, hein. Ce n'est pas peu à peu qu'il se constitue, il parle du symbolique, hein. Ce n'est pas peu à peu qu'il se constitue. Dès que le symbole vient, il y a un univers de symboles. Dès que le symbole vient, il y a un univers de symboles. C'est-à-dire que dès que l'enfant a dit papa, tout le symbolique est là. Tout le symbolique est là, tout de suite. Ça ne veut pas dire que l'enfant l'appréhende, mais le symbolique est là, à sa place. Une place inquiétante, parce que l'enfant ne le maîtrise pas, et les adultes non plus d'ailleurs. Hein. Le mur, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce qu'il vous veut. Hein. Ben, c'est pareil. Hein. Mais quand je vous dis que qu'un signifiant arrive, quand l'enfant est nommé ici, avant de naître, avant d'arriver sur la scène du monde, comme on dit, eh bien, il traîne derrière lui tous les signifiants. Hein. Parce que les signifiants sont liés. Les uns aux autres dans la structure, ils sont liés. C'est comme ça. C'est une espèce de superstructure infinie, qu'il est même difficile de nommer puisqu'elle est infinie. Donc Lacan l'a appelé l'autre avec un A majuscule. Il aurait pu la nommer autrement. Hein. Enfin bon, c'est comme ça, il l'a nommé comme ça, on prend comme tel. Hein. Et du coup, effectivement, quand vous verrez des dessins de Lacan où il y a l'autre avec des flèches, etc., ça veut dire que quand il y a des flèches qui vont vers l'autre, ça veut dire que ça va vers l'inconscient. Voilà ce que ça veut dire, dans des formules simples que je vous expliquerai au cours du séminaire. Chemin faisant, chemin faisant. Et il fait remarquer ceci, par rapport à Claude Lévi-Strauss. Il dit, Claude Lévi-Strauss dit structure élémentaire, mais il ne dit pas structure primitive. Ah, vous voyez, structure élémentaire, structure primitive, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que structure élémentaire, c'est structuraliste. Elles sont élémentaires, comme peut être élémentaire le 1 ou le 0, si vous voulez. Hein. Mais ce n'est pas... primitif, parce que primitif, ça voudrait dire que c'est du côté du versant naturel, naturaliste. Donc c'est pas la même chose. La nuance, elle est d'importance, là, quand même. Hein.
et les importances. Donc, il est d'accord avec Claude Lévi-Strauss là-dessus, sur cette histoire-là. Alors, il dit une phrase, alors là, vous voyez, parfois, Lacan, c'est vraiment compliqué à comprendre. Vous allez voir, je vais vous lire cette phrase, elle est courte, elle se trouve page 43 du seuil. Il parle des structures complexes, alors on ne voit pas du tout ce qu'il veut dire, parce que c'est compliqué. Il dit, les structures complexes, c'est nous qui les représentons, elles se caractérisent par ceci, qu'elles sont beaucoup plus amorphes. Eh bien, débrouillez-vous avec ça, hein, parce qu'il n'explique rien du tout, Lacan n'expliquait jamais rien. D'ailleurs, il disait toujours, je ne suis pas un expliqueur. Hein. Maintenant, on est dans un temps de l'explication, vous avez noté ça, hein. À la télévision, on est sans arrêt, il y a des gens qui viennent nous expliquer tout le temps. C'est super agréable, moi ça m'énerve prodigieusement. Hein, même, je dis toujours cette phrase-là, mais c'est vrai, même quand il pleut, hein, il pleut à Brest par exemple, ce qui est assez banal, comme disait Kersauzon, en Bretagne, il ne pleut pas beaucoup, il ne pleut que deux fois, le premier semestre et le deuxième semestre. Et bien à Brest, quand il pleut à Brest, on nous l'annonce à la télévision, et puis on nous dit, il va y avoir un décryptage de cette information savante de notre envoyé spécial à Brest. Alors on voit un type avec un micro qui est trempé, il pleut, il dit, il pleut à Brest. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre, si on est trop nul, pour comprendre qu'il pleut à Brest tout seul, vous voyez. Donc il faut que ça soit décrypté, déchiffré par un journaliste savant, météorologue, quoi, qui nous dit qu'il pleut, et ça se voit parce qu'il est trempé. Hein, il est trempé. Alors, on lui dit, alors évidemment, celui qui fait le journal dit, mettez-vous à l'abri, mon cher, etc. Alors, évidemment, c'est un exemple un peu ramassé, mais tout est comme ça à la télévision, tout est explication tout le temps, comme s'il y avait une explication à tout, alors qu'il y a d'explication à rien. Hein, d'explication à rien. On parle du symbole, hein, le symbole. Lacan, il appelait aussi le signifiant. Le symbole, il appelait le signifiant. Signifiant ou symbole, c'est pareil. Hein. C'est pareil si vous demandez à Lacanien qu'est-ce que c'est le signifiant. Vous dites, oh là 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 là, il va falloir 5 ans pour vous expliquer ça, mon beau monsieur, et encore vous ne comprendrez pas. Mais non, le symbole, c'est le signifiant, tout simplement, c'est pareil. Hein. Le symbole, c'est le signifiant. Donc, je reviens sur cette phrase là. Les structures complexes, c'est nous qui les représentons, elles se caractérisent par ceci qu'elles sont beaucoup plus amorphes. Ça veut dire quoi? C'est que les symboles, les signifiants, eux, eh bien, ils ont une espèce d'odeur d'éternité, déjà d'une certaine façon, et d'infini. Hein, et d'infini. Donc on ne peut pas, si vous voulez, se dire qu'ils sont amorphes, les signifiants. Du côté de la structure, ça n'est pas amorphe. Hein. C'est même extrêmement vivant parce que, quel que soit l'âge que l'on ait, on fait de la symbolisation tout le temps. On apprend des choses nouvelles tout le temps. Hein. Moi, j'ai appris un mot nouveau. Tout à l'heure, en lisant un petit texte d'un bouquin, j'ai appris un mot nouveau. Je vous le dirai, si j'ai le temps, je vous le dirai, ça va être juste. Et donc, on fabrique, on s'approprie des signifiants tout le temps. Donc, il y a une espèce de dialectique avec le symbolique qui est permanente. Hein. Donc, ça n'est pas amorphe, ça. Mais qu'est-ce que c'est qui est amorphe, alors? Quand il dit, les structures complexes sont amorphes, c'est quoi les structures complexes? Ben, c'est les névroses, tout simplement. C'est les névroses. Les névroses. On est tous plus ou moins névrosés, hein. Moi, je suis névrosé. Bon, et puis vous l'êtes tous un peu, c'est normal. Ne pas être névrosé, c'est être psychotique, bon, c'est pas une bonne affaire. Il vaut mieux être un peu névrosé, hein. On a tous un peu des phobies, on a tous un peu des obsessions, ça n'a rien d'outrageant. Et donc, mais le problème, c'est que plus on avance, pardon. C'est vrai qu'il a écrit les complexes familiaux. Les complexes familiaux. Absolument. C'est ça. Absolument, les complexes familiaux, c'est tout à fait. C'est pas la thèse de Jacques Lacan, c'est un travail qu'il a fait à la demande du grammairien Pichon, je l'ai déjà dit la dernière fois. Hein. Les complexes familiaux, c'est aussi très compliqué à lire, hein, les complexes familiaux. Mais c'est tout à fait, l'exemple est très bon, oui. Et donc, plus vous avancez dans votre névrose, ben plus vous êtes englué dedans. Hein, plus vous êtes englué. Un obsessionnel qui est pris dans ses rituels de comptage, par exemple, hein, il est englué dans sa névrose. Donc il est de plus en plus amorphe, de plus en plus inerte. Donc les complexes névrotiques vous rendent amorphe. C'est bien clair, hein, c'est évident. Moi j'ai connu, c'est un exemple qui me revient comme ça, un exemple clinique, hein, rapide. Quand je travaillais dans une clinique privée de Tours, je ne voudrais pas,
qui est une très bonne qualité d'ailleurs, eh bien, comme je travaillais comme interne à l'époque, il y avait un patient qui était un obsessionnel très grave, une héroïne obsessionnelle très grave. Et il passait ses journées entières, il était jeune, hein, il passait ses journées entières à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, le gay lui ponce. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, le gay lui ponce, tout le temps. C'était impossible de l'arrêter. Si vous arriviez près de lui, vous l'interrompiez à 8, par exemple, c'était une catastrophe pour lui. Hein. C'était une catastrophe, il fallait qu'il commence tout. Il se mettait en colère, il disait ah, arrêtez, foutez-moi la paix. Puis il commençait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le gay lui ponce. Donc lui, il était complètement gélifié. Il était pris en masse, hein, comme de la confiture par la pectine, si vous voulez. Hein, il était une masse, comme ça. Il n'avait plus rien de vivant, quoi. Tout en faisant des efforts pour lutter contre la mort, en se mettant dans un espèce de comptage qui était pour lui éternel. C'est une façon de lutter contre la mort aussi. Hein. Quand vous comptez toute la journée, vous pouvez compter sur votre compte pour être tout le temps là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, le galion, ça peut se reproduire à l'infini. Donc vous êtes, d'une certaine façon, si vous êtes pris sur cette espèce de ligne-là, vous êtes immortel. Vous pouvez vous penser tel, hein, bien sûr. Donc ce monsieur, il n'allait pas bien du tout. Puis je ne l'ai pas suivi très longtemps parce que je suis parti de la clinique. Donc je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, mais je pense que son avenir était un peu sombre, tellement il était englué dans cette névrose. Hein. Alors il y a des médicaments qui aident à soigner ça maintenant, hein, quand même. Ils sont améliorés maintenant. Antidépresseurs, notamment à forte dose. Bon voilà, mais c'est pas toujours merveilleux. C'est pas une. Si un jour vous voulez attraper une bonne névrose, essayez d'éviter celle-là. Hein, essayez d'éviter la névrose spécialelle parce que franchement, elle est méchante quand même. Hein. Elle est méchante et puis elle est très handicapante dans l'existence. Quoi. Ça rend pas la vie facile. Bon voilà, c'est plus les structures amorphes, les structures complexes, etc. Vous voyez, c'est quoi? Moi, je passe. Hein. Oui, alors, il y a un moment où Claude Lévi-Strauss lui parle d'inconscient collectif. Alors ça, Lacan ne supportait pas. Inconscient collectif, pour lui, ça ne voulait rien dire du tout. Hein. Il disait, le collectif et le sujet, c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a aucune nuance. Et effectivement, si vous prenez la structure symbolique en tant que telle, hein, le sujet étant pris dans cette espèce de maillage symbolique infini, eh bien... voilà, il se définit à l'intérieur de ça, quoi, si vous voulez. Il n'y a pas un torti. Hein. Donc, on ne peut pas en sortir. Voilà. C'est impossible d'en sortir. Et donc, il n'y a pas. C'est pas un inconscient collectif. C'est pas parce que nous sommes tous pris dans ce maillage-là que c'est une affaire collective. Quoi, que ça serait, on a chacun notre manière dialectique. Notre façon dialectisante avec ce symbolique. Et donc du coup, voilà, c'est pas une damnation, quoi, si vous voulez, c'est pas fataliste. Et donc, il parle de l'inconscient collectif, il en dit un truc qui est assez marrant, Lacan, et c'est un peu moqueur quand même pour Claude Lévi-Strauss. Hein. Il dit, non, hein, il répond à Claude Lévi-Strauss, hein. Il dit, non, il ne s'agit pas, parce que Claude Lévi-Strauss lui parle de l'inconscient collectif. Il dit non, il ne s'agit pas de supposer quelque part une âme commune où tous nos calculs auraient lieu. Il ne s'agit d'aucune antification psychologique. Il s'agit de la fonction symbolique. La fonction symbolique n'a absolument rien à faire avec une formation para-animale, une totalité qui ferait de l'ensemble de l'humanité une espèce de grand animal. Car en fin de compte, c'est ça l'inconscient collectif. C'est assez sévère, je le Lévi-Strauss quand même. Hein. Une organisation para-animale, une espèce de grand animal. Oui, si on parle d'inconscient collectif, on en fait quelque chose de cet ordre-là. Hein. Quelque chose d'un peu vivant, quoi, hein, qu'on partagerait, quoi, hein, d'un peu biologique. Donc on aurait le bonheur de partager ça avec les autres. Ben non, pour Lacan, ça ne colle pas, ça. Hein. Donc c'était une réponse un peu cinglante. Ça n'a pas dû plaire beaucoup... à Lévi-Strauss, cette réponse-là. Voilà, alors il fait remarquer à ses auditeurs qu'ils sont toujours en retard. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en retard au séminaire, hein. C'est ça qu'il veut dire. Ils sont toujours en retard dans leur pensée. Parce qu'il dit, oui, c'est bien, il y a eu une époque au 18e, et même avant, où les gens étaient empêtrés dans des catégories antérieures scolastiques. Scolastiques, c'est-à-dire dans des théories antiques, de la grecque, romaine, etc. Donc, après tout, pourquoi pas à certaines époques, hein, mais il dit qu'il faut quand même avancer un petit peu. Il dit Freud a avancé,
Hein, Freud, quand il a fait exploser la question du moi, ça sur moi, etc., etc., il a fait un bon copernicien. Voilà, il ne faut pas rester planté quoi, dans les théories scolastiques, on n'est pas obligé. On peut s'intéresser aux théories scolastiques, c'est pas ça. C'est une culture. Mais on n'est pas obligé d'y rester planté. Alors il dit, c'est pour ça, il dit à ses auditeurs, vous êtes toujours un peu en retard. Donc avancez un peu. Avancez un petit peu. Il est manié un peu, hein. c'était pas facile. Hein. Oui, parce qu'après, il y a Hippolyte, qui était un psychanalyste très connu de l'époque, hein, Jean Hippolyte, qui lui fait des remarques en disant, mais quand même, Jacques Lacan, dans la nature, il y a quand même des choses extraordinairement compliquées, il y a des asymétries, etc. Il y a des gens, il y a des hommes qui ont deux bras, deux jambes, c'est pas simple cette histoire-là. Et puis il y a des bifides sans plumes, il y a des bifides avec des plumes, il y a des hélices. Alors il parle des hélices, l'ARN et puis l'ADN, etc. Alors Lacan lui dit, ben non, ça. Il dit, oui, bien sûr, il y a des asymétries dans la nature, mais ça ne mène à rien. Mais ça ne mène absolument à rien, quoi. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit textuellement, page 48, la lecture de la philosophie de la nature, ça ne va jamais très loin. Voilà ce qu'il dit. Il ne dit pas que ça mène à rien, j'exagère un peu. Hein. Il dit, la lecture de la philosophie de la nature, ça ne va jamais très loin. Voilà, il dit ça. Là, je vous résume à l'extrême, quand même, toutes ces histoires que Lacan a racontées. Dans ce chapitre, hein, je l'ai sacrément ramassé. Hein. Il dit aussi, et je vais terminer là-dessus, et après je vous lirai la toute petite lettre pour finir de Freud, j'aurai juste le temps. Il dit, la fonction imaginaire, Lacan nous dit ça, nous la rencontrons dans la nature, dans toutes les postures des parades et de la séduction. Mais chez l'homme, il y a une fêlure. Donc, chez l'animal, il n'y a pas de souci à ce que le pan fasse le pan. Hein. Mais chez l'homme, si l'homme fait le pan, il y a une fêlure qui va faire le pan, mais ça ne va pas fonctionner. Ou mal, ou ça va se casser la gueule. Hein, ou ça va se décolorer, enfin je ne sais pas ce qui va arriver. Quelque chose va arriver du côté de la défaillance, si vous voulez. Et il dit, il y a chez l'homme une fêlure, une perturbation profonde de la régulation vitale. Ça veut dire quoi ça? Incendie. C'est là? Incendie. Ah bon? Il n'y a pas d'incendie a priori. Hein. Donc je vais terminer rapidement. Vous n'entendez plus? Non. Ça dure 5 minutes. Il n'y a aucun moyen d'éteindre ça. Hein. Non. Ça dure 5 minutes. Ça dure combien de temps? 5 minutes des sonneries comme ça. 5 minutes? Ah ouais. Le temps qu'il veut au cerveau? Non. Ouais, faut la quitter. Il y a un poste central et puis ça s'appuie. Ah oui, d'accord. Donc il vérifie. Il y a un type qui appuie sur un bouton pour éteindre. Qui vérifie où que c'est, en fin de compte. Il y a un secteur qui s'est allumé, il y aura. Oh, ouais. Hein, comment il y a, hein, quelqu'un qui a tapé un brise-glace. Clac. Ouais. A priori, il y aura lieu pour moi. Moi, je le ferai, je le ferai. Et
Et est-ce que la structure, la superstructure symbolique le permettra? Je n'en sais rien. Donc ce sera marqué sur mon Facebook, si elle a vu ou pas. Donc allez voir avant de dire, ne venez pas ici pour rien. Voilà. Je vous remercie.